figure à la mode, on dirait un jeune de moins de 30 ans. Ah. Moi, j'ai dit le roi de la sape. Oui, mais tu sais, les témoins disent que le jour du concert, là, toute la journée, ils n'ont jamais vu aussi heureux que ça. Oui. Il était. Il se comportait comme un jeune homme de 30 ans et toute la journée, jusqu'à l'aube. Comme quoi, il y a toujours. Et l'ambassadeur, il y a toujours quelque chose que nous ne laissons pas. Il était là, et jusqu'à 4, il a dit en tout cas, là, je. Ah non, il faut rester. Il reste. C'est quel Michel là, après, ça sera papa. C'est ça. Mais il était vraiment fatigué, il a dit non, je rentre. Et c'est à 8 heures, quand il s'est réveillé, il a vu. Il n'arrivait pas. Hier, il était là, il ne savait même pas quoi dire. Même pas quoi dire. Il s'est demandé, on était dans l'ambiance, mais là, on est. Que Dieu retienne tout ce qu'il a fait de grand sur cette terre, et il en a fait. Exact. Ils nous ont apporté beaucoup de fierté en tant qu'Africains. Je pense qu'il a fait sa part. L'amertume, seulement que. Une belle histoire dans notre pays, notre histoire. Une belle histoire. Moi, j'avais 14 ans et demi. Et lui, il avait 20 ans. Quand on a commencé, quand on a eu notre premier enfant. Et ça se termine comme ça, parti sans même rien dire. À son épouse, aux enfants, même aux petits-enfants qui sont beaucoup attachés à lui. Ça fait mal. Même pas un signe. Toute la semaine là, on attendait seulement. Il n'avait pas aimé parce que j'avais désisté de venir avec lui. Moi, j'ai dit non, j'ai besoin de la prière. Je ne sais pas pourquoi. Comme il y avait une retraite, j'ai dit non. Moi, je vais rentrer à retraite. Toi, tu pars jeudi. Nous, ça commence le vendredi. Mais parce que le président de l'Assemblée avait dit qu'on nous avait promis après le mariage. On allait partir visiter Bouaké. Moi, j'ai dit non, moi j'ai besoin de la prière. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les trois jours-là, j'étais devant le Seigneur. Peut-être le Seigneur voulait ça pour me préparer. Je crois. Ouais. Hein. Ouais. Et je suis sortie de vendredi à 8h du matin et à 5h30. Arrivée à la maison, 6h30. Je dors et à 9h, j'ai ouvert mon téléphone, c'est là qu'on m'a appelé. Oh là là. Et en plus, j'avais taquiné, j'ai dit, papa, n'oublie pas de répéter trois jours avant la chanson d'Ivoirien et de Taboulé, Obel Abidjan, qui est comparé avec Montréal. Il a dit, oui, je vais dire... Je vais rappeler aux musiciens de me mettre ça. Et on va répéter ça.